Pour mon cas, le thème le plus parlant, c'est vraiment l'Afrique de l'Ouest et la région sahélienne et l'analyse qui a pu être faite lors des conférences sur les dynamiques de la CEDEAO et de l'UEMOA, sur l'avenir qu'il peut y avoir dans un contexte de guerre en Ukraine avec des tensions sino-américaines ou russo-américaines assez fortes. C'est vraiment le thème que je retiendrai de cette WPC. On aurait pu s'attendre à une conférence intégralement tournée autour du conflit ukrainien, qui est forcément une des causes géopolitiques et des intérêts géopolitiques majeurs actuels. Mais comme le dit Pierre, c'est vrai que la conférence sur l'Afrique et le Sahel a été particulièrement intéressante parce qu'elle montrait qu'en fait, tout ne se ramenait pas finalement à l'Europe et qu'il fallait prendre en compte des enjeux bien plus globaux. C'est la diversité et la qualité des intervenants à cette conférence qui fait toute sa valeur, qui en fait toute sa valeur. C'est vraiment la technicité, la densité des informations, des interventions avec beaucoup d'informations, ça va vite, c'est très percutant, les orateurs sont extrêmement bons, ils sont excellents, ils ont souvent que 10 minutes, un quart d'heure dans une présentation formelle pour exposer leur point de vue, et en quelques minutes, ils arrivent à faire passer les messages principaux qu'ils souhaitent avoir. Et au-delà de ces moments formels, de ces conférences, on peut les retrouver lors de moments informels, lors de dîners, lors de cafés, pour approfondir certains sujets. Et la proximité qu'on peut avoir avec ce genre d'intervenants est vraiment précieuse. Et c'est ce qui fait, je pense, la richesse de cette conférence.